Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. En effet, je suis devenu papa l'an dernier, du coup forcément au niveau timing c'est un petit peu plus compliqué. Et il faut pas se mentir, il y a quand même un ralentissement au niveau des nouvelles technologies, notamment sur le secteur des smartphones, des montres connectées, etc. Une espèce d'inertie qui fait qu'il n'y avait pas grand chose à dire, donc j'ai mis un petit peu la carrière entre guillemets de youtubeur de côté. Et c'est en tout cas avec énormément de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du Motorola Razr 40 Ultra, un smartphone ultra haut de gamme proposé par Motorola à partir de 1199 €. C'est donc un segment ultra haut de gamme très élitiste. Et ce smartphone est annoncé comme le meilleur smartphone pliant du marché. Après, forcément, il n'y a pas énormément de concurrence. Et je suis d'ailleurs assez surpris du peu de smartphones pliants que je croise au quotidien dans la rue, que ce soit des Galaxy Z Flip ou Z Fold. C'est vraiment un marché qui est un marché de niche. Et ce smartphone va peut-être changer la donne. Alors au niveau du coffret, aucune particularité, bien sûr le form factor est assez long, forcément vous allez le voir, ce smartphone embarque un écran de 6,9 pouces, ce qui fait qu'il est assez long une fois déplié. Le coffret est donc assez important, assez massif et surtout assez épais. En effet, contrairement à la plupart des concurrents, Motorola propose toujours un bloc chargeur fourni d'origine dans la boîte, d'une puissance de 30 watts, ce qui n'est pas exceptionnel, quoi qu'il en soit, il a quand même le mérite d'être fourni d'origine. Et ce qui fait que ce coffret est de ce fait-là assez épais et assez imposant. Comme on a l'habitude de le voir dans les coffrets des smartphones pliants commercialisés par Samsung par exemple, on retrouve également un message d'information qui vous invite à ne surtout pas retirer le film de protection posé en usine par Motorola et également à ne pas ajouter un second film de protection d'une marque tierce, vous perdrez directement la garantie de ce smartphone, donc soyez vraiment vigilant par rapport à ça. Au niveau des accessoires, vous aurez droit bien sûr à un câble de chargement USB type C vers USB type C noir de bonne section et de bonne longueur. Et bien évidemment, on retrouvera également un bloc chargeur en connexion USB-A, bloc chargeur qui offre une technologie turbo power allant jusqu'à 30 watts. C'est plutôt intéressant, d'autant plus que ce smartphone embarque une batterie plutôt imposante pour un smartphone pliant, à savoir 3800 mAh. Au niveau de la polyvalence, ce smartphone est également bien sûr compatible avec la charge sans fil Qi allant jusqu'à 5 watts. Point fort avec ce smartphone, Motorola vous fournit directement une coque de protection dès l'achat, donc ça c'est vraiment très sympathique, même si bien sûr il y a une protection Gorilla Glass Victus à l'avant et à l'arrière sur ce smartphone, c'est quand même toujours très sympa de trouver une coque de protection dès l'achat, surtout sur ce type de modèle un petit peu exotique, où finalement on retrouve très peu d'accessoires dans les commerces physiques ou sur internet. Et bien sûr, pour finir, à l'intérieur du coffret, on aura également une notice de fonctionnement, mais je ne suis pas sûr qu'en 2023, beaucoup d'entre vous lisent encore les notices d'utilisation des smartphones, d'autant plus que ce produit tourne nativement sous Android en version 13, donc c'est vraiment un smartphone qui est semblable à tous les autres sur le marché. Voilà pour les accessoires qui accompagnent ce Motorola Razr 40 Ultra proposé à 1199 €. Il ne manque rien, bloc chargeur, câble de chargement, coque de protection, bien évidemment les écouteurs ne sont plus fournis, ça n'est plus une obligation même sur le marché français. Donc c'est un coffret qui est plutôt complet pour un smartphone ultra haut de gamme. Voici mesdames et messieurs le dernier smartphone ultra haut de gamme proposé par Motorola. C'est vraiment un smartphone qui est très sympathique déjà par son développement. J'aime absolument le design proposé sur ce smartphone. J'aime également le fait qu'il y ait un parallélisme total entre les deux parties de l'écran. Ça c'est vraiment très sympathique. Ça améliore bien sûr la compacité mais ça donne également un effet plus haut de gamme, plus premium au produit. Et moi qui étais assez sensible aux technologies apportées par le dernier Samsung Galaxy Z Flip, je suis encore plus satisfait par cette version. Sincèrement, le feeling à l'utilisation est vraiment extraordinaire, je trouve. La qualité d'assemblage, les finitions sont vraiment ultra haut de gamme. Les matériaux choisis, tout est vraiment bien développé. J'aime encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, le fait que les deux parties de l'écran plutôt soient alignées. On a vraiment droit à une réalisation quasiment sans faute sur ce smartphone. Peut-être qu'ici, ils auraient pu simplement ajouter un petit marquage Motorola, quoi qu'il en soit. En l'état, ça augmente encore une fois l'aspect très minimaliste de ce produit. Et sincèrement, dans cette version bleu glacier, je le trouve vraiment très joli. Au niveau des specs, lorsque le smartphone est replié, on retrouve sur la face avant un superbe écran technologie OLED de 3,6 pouces, une belle définition de 1066 par 1056 pixels, ce qui vous offre une excellente densité de 413 pixels par pouce. Et point intéressant, pour un écran qui se situe sur la face avant d'un smartphone pliant, on a droit à un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz. Vous l'aurez compris, l'expérience affichage sur ce smartphone est vraiment très bonne, même avec l'écran extérieur. Une fois qu'on ouvre le smartphone, ce qui choque, bien évidemment, pour un smartphone pliant, c'est le fait que la pliure est vraiment ultra compliquée à voir. Alors là, on le voit bien sûr très bien parce qu'il y a le spot dessus, mais en utilisation, si vous le tenez comme ça, c'est vraiment très compliqué. Je la trouve beaucoup plus discrète que ce que j'ai pu voir sur les derniers smartphones proposés par Samsung, par exemple. Même au toucher, on sent vraiment un léger décrochement, et encore une fois, il faut vraiment le chercher pour tomber dessus. Donc ce qui est rassurant, c'est qu'on voit que les constructeurs arrivent à améliorer petit à petit ce qui était désagréable à l'époque sur les premières itérations des Galaxy Z Flip et Z Fold. Et là, je pense qu'on atteint vraiment un sommet en termes de technologie et d'écran OLED.
Du coup, pour ceux qui étaient dérangés jusqu'alors par la pliure, ce smartphone corrige en grande partie ce défaut. Sur la face avant de ce smartphone, on retrouve donc ce superbe écran de 6,9 pouces en définition Full HD+. C'est une technologie bien évidemment OLED, donc des contrastes infinis, de belles couleurs. C'est vraiment un superbe écran, encore une fois, que ce soit sur la partie extérieure ou la partie intérieure de ce smartphone. Une définition de 2640 par 1080 pixels, ce qui vous offre une densité de 413 pixels par pouce. C'est un point qui est très intéressant dans le sens où on a la même finesse d'affichage à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui offre donc une espèce d'harmonie en termes de qualité d'affichage. Vous l'aurez compris, du coup, l'écran extérieur n'est plus un écran secondaire. On a vraiment un taux de rafraîchissement très intéressant, une belle couleur, une belle définition, une belle technologie, ce qui permet dans certains usages de se passer de l'ouverture du smartphone. L'écran principal est bien évidemment compatible avec la technologie HDR10+, et il offre un taux de rafraîchissement allant de 1 à 165 Hz. Encore une fois, gros point fort sur ce smartphone, la partie affichage est vraiment de très haute gamme. Sur les pourtours du smartphone, qui sont vraiment encore une fois très bien réalisés, et le feeling est excellent, on retrouve bien sûr les boutons de contrôle volume plus et moins, on retrouve le bouton de démarrage du smartphone qui fait également lecteur d'empreintes physique. Ça c'est vraiment pour moi un gros point fort, je suis vraiment assez friand des lecteurs d'empreintes physiques qui sont à mon sens plus simples, plus efficaces et plus performants, et surtout au niveau de l'ergonomie ça tombe parfaitement sous le doigt. Le paramétrage est d'ailleurs très rapide et le fonctionnement très précis, il n'y a quasiment aucune erreur en termes de lecture. Et pour ceux qui préfèrent utiliser la technologie de déverrouillage par reconnaissance faciale, elle est également disponible sur ce smartphone, mais bien sûr on n'atteint pas les technologies et le niveau de sécurité qu'on peut avoir sur un iPhone par exemple avec Face ID, ce sera simplement une vérification 2D. Sur le bas du smartphone, on retrouve bien sûr une grille pour le haut-parleur, gros point fort la partie audio, encore une fois sur ce produit, on retrouve deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos et son spatial, le son est vraiment puissant et immersif, donc c'est encore une fois un point fort sur ce produit. Une connectivité USB type C en 2.0, on retrouve également un microphone extérieur. Sur la tranche opposée, il n'y a ni bouton ni interaction, c'est encore une fois très minimaliste, on retrouvera simplement le tiroir nanoSIM dans lequel on pourra mettre une carte nanoSIM compatible 5G, et vous avez également la possibilité de mettre une carte dématérialisée eSIM. Et enfin, pour en finir avec le design des bordures, sur la partie supérieure, vous aurez simplement un microphone extérieur et l'intégration du deuxième haut-parleur stéréo Dolby Atmos. Alors généralement, ce qui inquiète les gens quand on parle d'un smartphone pliant, c'est bien évidemment la fragilité du produit. Sur celui-ci, aucun problème, on retrouve un traitement Gorilla Glass Victus à l'avant et à l'arrière dans les versions noir infini et bleu glacier, donc cette version que je vous présente, et vous aurez un traitement Gorilla Glass Victus à l'avant et du cuir végétal à l'arrière sur la couleur Viva Magenta. Et au niveau des protections par rapport à l'environnement, ce smartphone est également certifié IP52, donc revêtement résistant aux éclaboussures, ce qui est toujours très intéressant et ce qui est assez étonnant encore une fois pour un smartphone pliant, qui du coup offre une charnière, donc qui est censé être plus fragile qu'un smartphone monobloc. Concernant les performances, ce smartphone est bien sûr encore une fois au niveau, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon en version 8 Plus Gen 1, 8Go de RAM, 256Go d'espace de stockage sans possibilité de mettre une carte microSD, la partie graphique est assurée par un excellent GPU Adreno 730, et au niveau bien sûr de son OS, celui-ci tourne nativement sous Android en version 13. J'ai d'ailleurs déjà eu droit à une mise à jour de sécurité. Et au niveau de la vitesse d'analyse du lecteur d'empreintes, il n'y a absolument rien à redire, il suffit simplement d'effleurer le bouton, et c'est immédiat, c'est assez impressionnant. L'autonomie sur ce smartphone n'est pas en reste, pour un smartphone pliant, on retrouve une belle batterie de 3800 mAh, compatible avec la technologie Turbo Power 30 watts, et compatible également avec la charge sans fil Qi allant jusqu'à 5 watts. Point intéressant encore, sur ce produit, on retrouve du coup le bloc chargeur d'origine fourni dans la boîte. Concernant l'écran sur la face avant, ben moi je le trouve vraiment sublime. On peut quasiment se passer de l'ouverture du smartphone pour accéder à ses applications. C'est vraiment très fluide, très efficace. Encore une fois, je le rappelle, technologie OLED, définition de 413 pixels par pouce et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz. C'est donc absolument suffisant pour les utilisations classiques qu'on peut avoir sur un smartphone au quotidien. Celui-ci est vraiment joli, les couleurs sont extraordinaires je trouve, et la luminosité maximum, encore une fois, pour un écran secondaire est vraiment très bonne. Au niveau de la partie photo, ce smartphone n'est pas en reste non plus, on retrouve un capteur principal de 12 mégapixels couplé à une optique à ouverture f1.5, il s'agit donc d'une focale grand angle. Point fort, on retrouve une excellente stabilisation optique. J'ai pu faire quelques clichés, les résultats ne sont pas mauvais, mais après il y a vraiment une forte accentuation des contrastes, ça manque un petit peu de réalisme. Encore une fois, je vais pousser un petit peu ces tests et je vous en reparlerai plus tard. Le second capteur photo est un capteur photo de 13 mégapixels couplé à une optique à ouverture f2.2, il s'agit d'une focale ultra grand angle qui permet également de faire de la photographie macro. Encore une fois, ce type de focale apporte bien sûr une polyvalence en termes de captation photo. Après, ça déforme nécessairement les droites et les perspectives de la photographie, et il y a également une perte de piqué qui est assez sensible, notamment sur les pourtours de la photo. Et juste à côté, vous retrouverez l'intégration du flash LED. Moi, je trouve ça assez bluffant que cet écran OLED puisse
faire le tour comme ça de ces capteurs photo, c'est vraiment sublime, je trouve, en termes de design. Et à l'intérieur, on retrouvera un capteur de 32 mégapixels couplé à une optique à ouverture f2.4. Point intéressant, ce capteur bénéficie également d'une technologie quad pixel pour réaliser des photos en 8 mégapixels un petit peu plus intéressantes, notamment en cas de faible luminosité. Pour l'heure, j'ai pu faire quelques tests, je suis un petit peu déçu, ça manque un petit peu de précision, de piqué et de netteté. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, le smartphone se défend plutôt correctement pour l'instant en photo. La captation vidéo n'est pas en reste non plus, sur ce produit on peut filmer en 4K à 30 et 60 images secondes, les premiers tests sont plutôt intéressants, c'est vraiment un smartphone qui se place par rapport à la concurrence sur le même segment tarifaire, les vidéos sont vraiment fluides, beau contraste, belle luminosité, bonne stabilisation, encore une fois je ferai d'autres tests et je en reparlerai plus tard. Quant à la partie audio, celle-ci est vraiment très agréable au quotidien, on retrouve, comme je l'ai dit juste avant, deux haut-parleurs stéréo avec technologie Dolby Atmos et son spatial, et croyez-moi, c'est l'un des meilleurs sons que j'ai pu entendre ces derniers mois sur un smartphone Android. La connectivité est également très bonne sur ce smartphone, il est bien sûr compatible 5G, on peut mettre une carte SIM physique plus une carte dématérialisée eSIM compatible 5G, module NFC, Bluetooth en version 5.3, module Wi-Fi en version 6E, connexion USB type C 2.0, et là, s'il n'y a pas de port micro SD pour étendre la mémoire qui de base est de 256Go, et on ne retrouve bien évidemment pas non plus de prise mini jack 3.5, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est rentré dans les mœurs. Voilà pour la présentation et le déballage rapide de ce Motorola Razr 40 Ultra, encore une fois c'est vraiment une belle surprise, je ne m'attendais pas vraiment à grand chose et je suis vraiment agréablement surpris. Les finitions sont extraordinaires je trouve, les matériaux ultra qualitatifs, les sécurités et les protections par rapport au Gorilla Glass Victus, à l'étanchéité, etc., renforce encore une fois ce côté ultra haut de gamme. Et c'est un smartphone qui en plus offre une ergonomie tout à fait intéressante. Il pèse 188 grammes environ en version noir infini ou bleu glacier et 184 grammes dans sa version Viva Magenta. Et lorsque celui-ci est refermé, il n'est pas tellement épais. En effet, il ne fait que 15 mm, ce qui à mon sens est plutôt agréable pour un smartphone pliant commercialisé à ce prix. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de déballage et de présentation. Posez-moi bien sûr toutes les questions que vous voulez sur ce smartphone. Je vais faire d'autres tests et partager mes avis sur Instagram, donc rejoignez-moi. Posez-moi bien sûr également les questions sur Instagram ou si vous avez d'autres idées de vidéos pour des smartphones ou autres produits high-tech, je suis bien sûr disponible. Merci à tous d'être toujours plus nombreux. Merci bien sûr de m'avoir suivi durant cette année où il s'est passé un petit peu moins de choses suite à l'arrivée de la naissance de mon fils. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres produits. Bye bye.